Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, je suis accueilli par un ami, Steve. Comment tu vas? Ça va, mon frérot. Merci beaucoup, frérot. Salut tout le monde. Donc, on est chez RMP Workshop. C'est ça, hein? C'est ça. RMP Workshop. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, il ne sait plus. Spécialiste du T-Max. Donc, le 2022 qui vient de sortir. C'était le premier à l'avoir, quand même. On n'est pas loin des premiers, ouais. Il y a pas mal de concessionnaires qui les ont reçus un petit peu aussi, mais sur les routes, on n'en voit pas beaucoup pour le moment, là. À rouler, là, on est un peu les premiers à le sortir. Ouais. Ok, donc voilà, bah, je tenais à vous le présenter, même si c'est pas... On est sorti un petit peu du sport. Du sport, hein. Voilà. Ça reste un peu du sport quand même. Mais ça reste du sport et tu l'expliqueras, hein, sur ce que vous faites, la peu de piste, des choses comme ça. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter le T-Max 2022, Steve? Bah voilà, ça c'est le nouveau T-Max 2022, donc toujours en 560. On l'a un petit peu préparé, donc celui-ci il est peut-être un peu plus joli que ce que vous pouvez voir sur les catalogues Yamaha ou autre chose. C'est la colorie Dark Petrol, donc c'est un coloris un peu vert-bleu avec des jantes or. Il est beau, celui-là. Là il est dans la version Tech Max, donc on a aussi une version Tech Max en gris un peu nardo. Et après on a des versions un peu standard, en full noir ou en jaune. Voilà, donc celui-ci, on l'a reçu il y a 3 jours. On a mis un petit peu de pièces dessus, comme tu as pu le voir. Dès le début. Bah, c'est un peu notre spécialité. Ouais, donc grave. Du coup, on était un peu obligé par la force des choses. Il n'est pas totalement fini. On va encore voir certaines choses courant de semaine prochaine, au fur et à mesure des pièces que l'on va recevoir. Là, pour le moment, on a monté tout ce qui s'adaptait. Donc tout ce qui était un peu dérivé du 560 ou même des séries d'avant. Donc voilà, c'est esthétiquement, moi je trouve une belle machine. Après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet technique. Tu l'as roulé, moi aussi je l'ai roulé, donc on va donner un peu nos impressions de roulage qui sont plutôt positives. J'aime bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y en a qui l'ont commandé, pas commandé, s'il y en a qui sont restés bloqués en 2015, comme on peut voir un peu sur les réseaux. On va vous présenter des 2015 après parce qu'on sait que vous aimez aussi le 2015. Exprimez-vous dans les Donc voilà, mais sachez que le 560 c'est quand même un très très bon cru. Très bon cru. Toi, je sais pas, tu l'as essayé. Toi qui es grand, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai bien aimé parce qu'au niveau de l'empattement des pieds, enfin comment tu te places, c'est un petit peu comme les premiers. Je suis d'accord. Tu vois, parce que les premières générations, moi j'ai eu le premier, le deuxième, troisième, j'ai pas eu les 560. Mais les premiers, deuxième, troisième génération, le deuxième, on était un peu étriqué. Je sais pas si tu te rappelles. Et du coup, sur les 530 qu'ils ont fait par la suite, on avait un peu plus de place pour les pieds. Et là, je l'ai retrouvé. Je me sens à l'aise. Tu vois. C'est vrai qu'on n'est pas trop mal. Après, niveau tenue de route, il tient bien. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'écran. Est-ce qu'on peut en parler? L'écran, c'est la folie. L'écran, on va vous l'allumer. C'est vraiment. C'est ce qu'un peu tout le monde attendait finalement. Et Yamaha l'a enfin fait. D'accord. Et vraiment, c'est un écran, mais franchement, il y a juste ce qu'il faut. Faut pas s'attendre à un écran de Mercedes avec de multiples options et regarder des films dessus ou quoi. C'est vraiment un écran, tout ce qu'il y a de plus simple, efficace. C'est juste ce qu'on attendait finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les informations principales, si on ne va pas rentrer dedans? Alors, les informations principales, il y a déjà plusieurs thèmes sur le compteur. Donc, on a plusieurs affichages. Là, on a un premier thème, on a un deuxième thème et on a un troisième thème. D'accord. Sur ces troisième thèmes, on peut le faire varier aussi avec le bouton mode. Donc là, on est sur un mode... attends, je clique dessus. Là, on est sur un mode S, donc qui est affiché ici. Donc S comme sport, quoi. Voilà. Un peu plus sportif, d'accord. Donc le comportement aussi du véhicule change. Et après, quand on passe sur le mode T, on a un affichage un peu différent. Et ça, du coup, sur les trois modules de thème. Donc sur les trois modules de thème, l'affichage aussi change selon le mode T ou le mode sport. On a aussi une interface où on peut connecter notre téléphone dessus. Donc on peut recevoir les appels, on peut voir les appels, on peut y répondre, on peut y raccrocher, on peut monter le volume de l'appel ou baisser le volume de l'appel via le joystick qui est ici. Et on peut ici, du coup, y connecter un module Sennheiser ou un module intercom de différentes marques pour l'associer au véhicule, pour avoir le son du téléphone dans le casque. Il n'y a pas d'haut-parleur sur le véhicule, bien évidemment, on ne peut pas parler, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'haut-parleur. Donc le son va sortir dans le casque via un module intercom. Pareil pour la musique. Du coup, il y a aussi une application plus audio. Et du coup, là, on peut varier sur la musique. On peut changer la musique, changer la playlist, monter le volume, baisser le volume. Toujours pareil via le joystick. Et tu m'as montré tout à l'heure, on peut le stocker du coup. Parce qu'avant, sur les anciens T-Max, tu mettais... En gros, avant, on avait un support téléphone que l'on va aussi faire. Maintenant, ils ont prévu un petit tiroir comme ça. Où on va venir fixer son téléphone dans les deux petits élastiques. Qu'on va glisser à l'intérieur. Qu'on pourra même charger via la prise USB qui est ici. Donc là,
le téléphone, il est bien fixé, ça bouge pas. On peut fermer et du coup naviguer via l'interface du compteur directement sans avoir besoin de prendre son téléphone en main. D'accord, ok. Après, bien évidemment, il y a des supports GPS, des supports téléphones qui vont sortir pour avoir son GPS, son Waze ou ses différentes applications de navigation ou autres. Mais c'est en prévision et ça va arriver incessamment sous peu. Il y aura peut-être des modules CarPlay qui vont arriver par la suite. Ça, il va falloir qu'on attende que les gens bossent dessus. Ouais. Mais ça, c'est un autre métier. pas le nôtre, en tout cas. Ouais, ouais. Donc, voilà. Mais peut-être que par la suite, il y aura des applis CarPlay et ça serait plutôt pas mal aussi. Hein. Okay. Il y a un élément qui a beaucoup été discuté, qui continue à faire couler de l'encre, c'est la face avant. Ouais. Franchement, je trouve que ça passe, moi. Moi, franchement, en réalité, c'est un peu ce qu'on a eu comme retour des clients depuis 3 jours. Parce que le véhicule est visible toute la journée chez nous et on le laisse devant et n'importe qui peut prendre des photos et des vidéos et le voir en vrai, il n'y a aucun souci. Et franchement, moi, je trouve que la face avant, c'est pas si choquant finalement. Ça passe bien, hein. Dans cette colorie, en tout cas, c'est pas si choquant. Ouais. Et moi qui le regarde tous les jours depuis 3 jours, franchement, maintenant, je m'y suis fait. Il passe bien. Et après, je comprends aussi la face avant comme ça par rapport au pilotage. C'est-à-dire que là-dessus, on a une assise qui est un petit peu plus haute avec un guidon un peu plus bas. On est un peu plus sur l'avant. Ouais. Et quand on la conduit, on comprend finalement la face avant un peu sportive, un peu pointée vers le bas par rapport aux caractéristiques technique et un peu sportif du véhicule parce qu'on est vraiment revenu sur un truc sportif. D'accord. Autant avant sur les 560 ou les DX, on était plus sur un mode un peu GT. Ouais. Voilà, un peu plus assis, tranquille, voilà, un peu plus de place pour les pieds et ainsi de suite, voilà. Ouais. On s'en rapprochait un petit peu, on n'était pas vraiment là-dessus, mais on s'en rapprochait. Un peu, ouais. Là, on est vraiment repassé sur une gamme sportive. Et réellement, le scooter, il paraît plus petit, il paraît plus compact, les carénages sont moins imposants. Tableau de bord beaucoup moins large, quand on est dessus il paraît très petit. Ouais, c'est vrai. Et franchement, on a plus cet effet de massif avec un gros truc ou c'est vraiment beaucoup plus affiné et du coup on comprend pourquoi cette face avant elle a été très affinée. D'accord. C'est un tout finalement et on comprend pourquoi les ingénieurs ils sont partis là-dessus et nous avec nos propres yeux, c'est vrai qu'au début on s'est dit ah, c'est pas ouf, machin et tout, on a tous un peu eu le même ressenti. Mais déjà à rouler, moi quand je le vois passer, la face avant elle me choque pas forcément. Ouais. Après en statique et quand t'as les yeux figés dessus, finalement bah ouais, c'est pas incroyable. Après ça va se modifier avec quelques pièces, ainsi de suite, je pense par la suite, notamment avec BCD. Mais en réalité, franchement, quand on regarde l'ensemble du véhicule, avec une petite prépa un peu légère, avec quelques access Rizoma, BCD, enfin voilà, on arrive, moi je trouve franchement un super beau produit. Et pour moi, réellement, là, on est sur la renaissance du T-Max. Voilà, c'est vraiment. Ça, c'est vrai. Autant sur le DX, on était sur un peu l'enterrement du T-Max, faut pas se voyer la face. Nous, on a eu un peu peur, on s'est dit, putain, le DX, pas ouf. On savait pas trop Yamaha dans quel sens il partait. Et là, finalement, ils sont revenus dans le réel sens du T-Max avec le côté sportif et très urbain, quoi. C'est clair. Les clignotants devant, je les vois même pas. Alors, les clignotants, maintenant, ils sont intégrés dans le phare. D'accord. T'inquiète, je vais te mettre les warnings, comme ça, ça ira mieux. Ah ouais. Donc voilà, les clignotants, ils ont intégré dans le phare. D'accord. Et aussi, du coup, dans le feu arrière. Ok. Il n'y a plus de clignotants déportés sur le support de plaque. On est revenu sur un support de plaque classique, avec juste la plaque et un éclairage. Et les clignotants, du coup, qu'ils ont réincorporés dans le feu. D'accord. C'est pour ça que le feu est aussi un petit peu plus grand. Parce que du coup, pour l'homologation, il faut un écartement entre les deux clignotants. Donc là, sur le 2022, on est sur un phare un peu plus gros que sur le 560 précédent, qui était plus petit, mais du coup, qui avait des clignotants déportés. Okay. Nickel. On a aussi des super belles roues maintenant. Ouais. Faut vraiment les souligner parce qu'elles sont très très belles. Des roues 10 branches. En or, franchement, elles claquent de ouf. Là, on lui a mis un petit lèche-roue BCD avec un petit cache-courroie, un petit cache-couronne. On l'a accessoirisé un peu. On a mis un petit support de plaque. Ça, ouais. Lèche-roue, cache-courroie. Le cache-couronne. On lui a mis des protections d'axe de roue Lightech. On lui a mis des petits calepiers Rizoma. Ok. Pareil pour les capots moteurs. On les a mis en BCD. Et c'est en 60. Devant aussi, le garde-boue. Là. Devant le garde-boue, on a mis un garde-boue BCD aussi un peu plus allégé. D'accord. Parce que quand on met des gros disques comme on a mis en braking. Ça libère un peu le disque et du coup, tu vois un peu plus le disque avec le garde-boue BCD. C'est Galfer ça encore, c'est toujours la même. C'est breaking, t'as Galfer, t'as NG. D'accord. Nous, on travaille beaucoup sur du breaking. D'accord. C'est vraiment très bien en rapport qualité-prix, c'est le top. Là, on est passé sur des disques en 300, donc un peu plus gros. On a mis aussi des coques de rétro c'est BCD. C'est les mêmes que le 560 et même que le 2015 par ailleurs. D'accord.
On lui a mis une petite bulle, ouais, qui est pour l'instant une bulle que l'on a adaptée, mais les nouvelles bulles BCD arrivent lundi ou mardi, d'accord, donc semaine pro. On lui a mis aussi des petits capots de Medcylindre, ah, du coup, cool, qui sont toujours les mêmes depuis X temps, depuis la sortie du T-Max d'ailleurs, c'est, mm-hmm, les mêmes capots, sauf que là, ils ont été estampillés 560. Mm-hmm. On lui a mis des petits leviers Puig, ouais, et des petits embouts de guidon, voilà. Et là, sur les côtés. Et on a refait un petit peu le diapason qui était un peu trop visible, en petit, okay, covering carbone avec un petit logo RMP. Magnifique. Nouvelle technologie aussi sur le T-Max qu'il n'y avait pas auparavant sur les autres, mm-hmm, c'est les Komodo rétro-éclairés. Donc, je ne sais pas, ah, si là, oui, vous allez le voir en vidéo. D'accord. Mais en tout cas, tous les petits sigles sont allumés. Même le jour d'ailleurs. On mais on les... on voit un peu. Ouais, mais là, à l'intérieur, on le voit un petit peu. En vidéo, je ne sais pas si ça rend ouf. Ouais. Mais en tout cas, tous les Komodo sont rétro-éclairés. Ah, donc ça, franchement, pour la nuit, c'est top. Ouais, ouais. Super. Ils ont fait une nouvelle trappe à essence aussi, style un peu moto. On a plus cette espèce de grosse ouverture avec le bouchon en dessous. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez sympa. Et du coup, ils ont aussi refait un peu le coffre. Ah, il y a un peu plus de place quand même. C'est un peu plus profond, un peu moins, large, mais un peu plus profond. Ils ont remis un petit éclairage LED, ouais, qu'il n'y avait pas auparavant. Auparavant, ouais, c'était de l'halogène. Ouais. Ouais, nous, on l'échangeait à l'époque, très belle. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on est passé sur un petit éclairage LED. D'accord. Et avec un coussin réglable. Donc, tu as, ouais, une assise qui est réglable avec la petite molette qui est en dessous. Mm-hmm. Tu la tires ici et en fait, tu viens avancer le coussin. Ah ouais, comme ça. Nous, on mettait des rousseurs à l'époque. Ouais, nous, on avait des vis, on devait dévisser, oui, l'avancer, revisser. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, c'était un peu plus chiant. D'accord. Donc là, pour les petits, c'est un peu mieux. Du coup, tu as un meilleur maintien. Okay. Toi, t'es coach sportif, tu connais, le dos, ouais, c'est important. Ouais. Donc, ils ont pensé à ceux qui avaient des petits problèmes de dos ou ceux, ouais, qui étaient petits et qui n'avaient pas forcément une superbe assise. D'accord. Donc ça, c'est bien. Et du coup, ils ont raffiné la selle par rapport aux anciens. Elle est moins volumineuse et du coup, elle se prête plus à un comportement un peu sportif, quoi. Sincèrement, Steve, quand je le voyais à la presse et tout, j'aimais pas. Je suis d'accord. Avec l'avant. Je suis d'accord. Et là, sincèrement, donc quand je suis arrivé, déjà, tu me l'as montré. En vrai, c'est pas pareil. Et puis quand tu l'essayes, c'est top, quoi. Franchement, moi, je l'ai essayé. Vraiment, on l'a fait essayer aussi. Alors moi, je roule avec un 530 2015 qui est très préparé, un peu de suspension, qui est un peu dur et tout, ouais, machin. Donc j'ai pas vraiment cette fibre où je roule tous les jours sur un 560. Mais on l'a prêté à des clients et à des potes qui, eux, roulent tous les jours sur un 560 de 2020 ou 2021. Mm-hmm. Et on a tous eu la même réaction, finalement, où on s'est retrouvé sur un truc beaucoup plus sportif. Ouais. Avec un guidon un peu plus petit, avec un poste de pilotage un peu plus joli d'origine, du coup. Et franchement, le comportement, il a totalement changé. Moi, je trouve que le comportement, il est incroyable. Ouais. Et je trouve que c'est une très, très bonne machine avec un visuel en plus qui est le visuel le plus beau pour moi, c'est le guidon et le tableau de bord. Ouais. Et pour un pilote, c'est ce que tu vois toute la journée. C'est quand même cool d'avoir un joli poste de pilotage. Après, l'avant, c'est les autres qui le voient et ainsi de suite. Mais le poste de pilotage à rouler toute la journée, c'est juste incroyable. Et le scooter se comporte magnifiquement bien. On est resté sur le même châssis, même moteur, mais on croirait qu'ils ont tout changé finalement. Ils ont changé, ouais. Ouais. Alors que finalement, rien. Enfin, rien. Sur la partie pilotage, en tout cas, hormis le guidon, le reste, c'est identique. Donc franchement, on est sur une bonne machine. Mm-hmm. Je vous invite à aller la voir en vrai, que ce soit en concession chez nous ou ailleurs ou chez des potes. Je vous invite aussi à essayer de voir avec vos concessionnaires s'ils peuvent vous le faire essayer. Mm-hmm. Parce que franchement, l'essayer, comme on dit, c'est l'adopter. Mais là, ouais, c'est vraiment le cas. Ouais. Et nous, on a plein de potes qui étaient sceptiques sur tous les nouveaux modèles, qui étaient restés bloqués un peu sur du 2015-2016 et ainsi de suite, et qui l'ont là essayé. Et franchement, ils sont revenus avec la banane de se dire « j'aimerais bien l'acheter ». Le seul point négatif, c'est le tarif. On est à 14 800 euros, j'avoue, ça pique. Il y a un seul prix, du coup, là ? Bah là, il y a un seul prix pour les Tech Max, d'accord, donc à 14 008. Okay. Après, il y a un prix pour les standards, mais sur Paris, les standards, c'est pas ce qui se vend le plus. Il n'y a pas de poignée chauffante, okay, pas ça, de bulle électrique, pas de siège chauffant. D'accord. Donc voilà, les coloris en standard sont pas ouf. On va rester sur du jaune. Ouais, donc, forcément, le jaune, c'est pas foudroyant, sauf pour les nostalgiques du 2001 et qui veulent un truc un peu rétro. Mais ou sinon du full noir. Le full noir est joli. Ouais. Mais le standard, voilà, sur la région parisienne, c'est pas ce qui se vend le plus. Si vous achetez ça, vous aurez un peu de mal à le revendre par la suite. Ouais, donc ça, c'est aussi à prévoir. C'est vrai. Malgré que ce soit un très bon modèle, voilà. Mais en tout cas, je vous invite à aller l'essayer, à aller le voir en concession, aux journées portes ouvertes, sur différents shops ou quoi aux caisses. Si vous voulez venir au magasin, avec plaisir, on vous donne les mêmes infos, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne machine. Franchement, nous, on était inquiet sur l'avenir du T-Max. Ouais. Et du coup, avec la sortie de celui-ci, on a retrouvé le sourire. Ça se voit d'ailleurs. Merci pour le 2022. De rien.
Maintenant, je sais que tu es quand même le spécialiste de la préparation sur T-Max. Ouais. Et c'est beaucoup poussé. Ouais. Les turbos, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Bon, je sais que là, dernièrement, il y a au moins 4-5-60. Là, on a fait 4-5-60 turbos cet hiver. Ouais. Là, on les a descendus en Italie pour faire les cartographies et ainsi de suite. D'accord. Pour qu'on ait des machines qui soient réglées au poil et avec tous les chevaux qu'il faut pour nos clients. Nos clients ont un peu insisté là-dessus aussi parce qu'ils voulaient un truc vraiment très abouti. Ouais. Donc on a été jusqu'au bout des 4 projets en faisant toute la mécanique ici et en envoyant la gestion en Italie. Mm-hmm. Donc là on a les 4 qui vont arriver bientôt, donc on fera d'autres vidéos du coup. Ouais. Tu seras convié, ouais. Tu viendras essayer ça. Cool. Et voilà, et après on a toujours notre chaîne YouTube avec le T-Max Vert que vous devez tous, je pense, connaître, ou si vous ne connaissez pas, on va vous le présenter vite fait en quelques lignes. C'est cool. Donc, ça, c'est le. Voilà. C'est ta vitrine. Là, on est passé dans un autre domaine. C'est ta vitrine. Là, on est passé vraiment dans le domaine un peu sportif. Radical. Vraiment radical. C'est, tu passes d'un joli truc bien tout neuf à un joli truc bien rustique. Ah, Là, on est plus dans le sport. Donc là, on est sur une machine de 2015, voilà, comme tout le monde les aime. Enfin, 2016, mais c'est les mêmes. Mm-hmm. Là, on a ce que tu peux faire de plus en préparation, finalement. Oh. En 2015. Là, t'es vraiment sur du. Du full. Okay. Voilà. Okay. Là, tu as un truc qui est full, carrosserie, châssis, freinage, moteur. Tu as vraiment tout, hormis la peinture qui est un peu voilà, agressive, qui est un peu. C'est gris, moi, au début. Ouais, celui-là, il a eu plein de couleurs. Ouais, ouais, ouais. Celui-ci, au début, il a été. Première fois, quand on l'a acheté neuf, c'était un gris champagne. D'accord. On l'a passé en kaki. Ouais. Après, on l'a passé en. Ouais. Un peu gris alu brossé. Mm-hmm. Et après, on l'a passé en vert. Il a eu des phases aussi où il était en jaune fluo quand on faisait de la piste. Oui, donc on lui mettait un kit piste qu'on avait fait en jaune fluo pour que sur la piste ça flash un petit peu. Okay. Et là maintenant on est resté sur cette version. Cette version elle est connue un peu partout maintenant sur les réseaux. C'est le fameux T-Max Hulk. Ouais. C'est un vert dérivé de la MG GTR. D'accord. On a pu faire une séance photo il n'y a pas longtemps avec une MG GTR. Ouais. Donc en gros voilà, maintenant il va rester dans cette config, en tout cas dans la couleur. Okay. Là on est sur un T-Max 530 avec du coup un moteur 530. Modifié à l'intérieur, okay. Avec un kit turbo en plus. D'accord. Donc on a tout renforcé, tout reforgé, tout machin, okay. Et on a mis un kit turbo. Okay. Bien évidemment, on a mis un gros freinage, ouais. On est sur des disques de R1 à l'avant, mm-hmm. On est sur du gros disque à l'arrière, on est sur du mid-cylindre Brembo, enfin là on a vraiment tout ce qu'on peut faire. On est limite même sur un freinage un peu plus important que ce qu'on peut avoir sur une moto finalement. D'accord, ok. Et là du coup on développe 140 chevaux, 50. Au lieu de, d'origine. Au lieu de 36 à la roue. Donc là, on est à 140 chevaux à la roue au lieu de 36 à la roue. Donc, tu as plus que triplé la puissance. Là, on a mis plus de 100 chevaux. Et celui-là, donc comparé à celui-là. Et donc ça, c'est le même exactement, voilà, avec une transmission en courroie, avec quelques petites pièces esthétiques, okay. Mais avec un kit carrosserie d'origine, avec un guidon d'origine, tout d'origine, ouais. Juste il y a un pot, un vario. Okay. Mais voilà, la base de ce projet-là, c'est ça. Et là, donc du coup, sur le vert, en statistique sur Draghi, pour les mecs qui connaissent un peu les voitures ou les applications un peu, là, sur du Draghi, on est en 2 secondes 83 de 0 à 100. Il faut tenir, il se lève automatiquement. Hein. Le chrono, tu le fais sans toucher la roue par terre, sinon tu fais pas de chrono. D'accord. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à gérer le wheeling ou quoi, tu pourras jamais sortir un chrono à 2 secondes 83. Le 2 secondes 83, il a été fait en wheeling. Ouais, finalement. Donc, faut pas que ça se pas, pas même, parce pas... que soit ça patine, soit ça lève. T'as pas le choix. Si tu, okay. Même des fois, tu lèves et tu patines en même temps. Okay. Ça paraît aberrant, mais ouais. C'est la vérité. D'accord. Et là, tu fais à peu près le 0 à 200 km/h en 400 mètres. Donc, autant te dire que de 0 à 200, il n'y a pas grand chose qui t'accroche finalement. Ok. La vitesse de pointe. Vitesse de pointe, on est à peu près à 2,30, 2,35 GPS. Alors que d'origine, un T-Max 180 compteurs. Ouais. Incroyable. En gros, c'est ça. Ah, c'est super. Donc là, on est sur de l'ultra racing, pour de la piste, pour voilà. Bien évidemment, c'est pas homologué sur route. Bien sûr. On est tous d'accord. Le véhicule, il est plaqué, il a une carte grise, il a tout ce que vous voulez. Mm-hmm. Mais c'est un véhicule qui est pas forcément autorisé à rouler sur la voie publique. Nous, on s'y amuse à faire des vidéos et ainsi de suite. Mm-hmm. On prend nos risques, mm-hmm. Mais pour les clients à qui on fait des kits turbo et ainsi de suite, c'est bien spécifié que c'est exclusivement loisirs, pistes, routes fermées et tout ce qui s'ensuit. Ok. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Merci beaucoup Steve de nous avoir regardé. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais, c'est vrai que ça faisait un bout de temps. Avec le boulot et tout, c'est compliqué. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on est sorti un petit peu de la thématique de ma chaîne qui est de parler de sport.
quoique on fait quand même de la piste. C'est ça. Mais bon, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui aiment bien voilà, tout ce qui est deux roues, voiture. C'est vrai que c'est ma passion à moi aussi. Qui n'aime pas. Voilà. Du coup, il fallait que je vienne voir le taulier. Hein. Franchement, il n'y a pas, merci, y a pas à gentil. Dire. Depuis que je te connais, ça fait, ben, ça fait 10 ans maintenant que tu ouais, ça fait 10 ans, dedans. Ouais. Tout le monde te connaît, même aux Antilles. J'ai des potes guadeloupéens, martiniquais, qui s'envoient carrément leurs T-Max préparés. Ouais, ouais, on a envoyé quelques scouts là-bas, en Guyane, tout ça. Ah ouais. Oui, donc non, franchement, respect pour ton travail. Merci. Que du bon. La bonne adresse, si vous cherchez, ben voilà, le dernier T-Max, même réviser vos scouts, que du T-Max. Hein. Que du T-Max. Que du T-Max, pas, voilà, que du T-Max. La bonne adresse, RMP Workshop. C'est gentil. Et même si vous voulez, vous n'avez pas de T-Max, si vous n'avez rien, si vous juste voulez passer voir le magasin, regarder le scooter, faire des photos, vous êtes les bienvenus. Ah, il n'y a aucun souci ici, la porte elle est toujours ouverte. C'est cool. Il n'y a aucun problème. Des fois, on a un peu de boulot, donc on ne peut pas se concentrer sur tout. Ouais. Mais en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a aucun souci, les renseignements, tout, machin, il n'y a pas de problème. Vous venez de la part de Babaz, bien sûr. Merci. Et puis, vous serez les bienvenus, il n'y a pas de souci. Merci. Mot de la fin. Ok, la force n'a été créée que pour être partagée.